Salut à toutes et à tous, c'est Tadumitsuno Games, et bienvenue les amis, bienvenue dans le 26e épisode de Arc Clusters. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, on se retrouve, et vous l'avez déjà vu en intro, on a commencé les choses sérieuses les amis, on est en phase bêta avec les boss Broodmother, Megapithecus, c'est réglé. Aussi, vous le voyez, on a 2 giganos. Oui, Madame Skellington a fait le sien, je vous inviterai à aller voir sa vidéo de quand elle l'a fait, ça sortira très très prochainement, vous inquiétez pas, c'était un timing absolument épique, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne directement, et vous le voyez, le breeding a commencé, et grâce à ça, je suis quasiment level max, les amis, il nous manque 3 fois rien, je suis level 109, le level max actuellement c'est 110, étant donné qu'on a fait une fois la tech cave, et ben écoutez, on va le passer là tout de suite ce level, parce que aucun des gigas ici m'intéresse. Il faut que, pour qu'il m'intéresse, il naisse 226. Et bien pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, on va les faire venir par ici. Et puis, on va les tuer. On va les massacrer jusqu'à avoir un bon level. Vous inquiétez pas, j'ai encore des œufs à faire éclore. Hein. J'en ai plein ici. Il y en a plein à mon joueur. J'ai une pété d'œufs à faire éclore. Alors, on va les tuer directement à la lance. Hein. On va économiser un petit peu les munitions et tout. Sachant que prochainement, dans la phase bêta, il y aura le dragon. Il y aura la tech cave, je pense que ces choses là se feront peut-être en live ou je sais pas encore comment exactement, mais voilà, sachez que je referai pas de vidéo ou alors une petite cinématique comme j'ai fait pour la brood et le Megapithecus dans cet épisode, mais je vais pas tout vous montrer. Par contre, je pense que je vous montrerai la phase alpha qui va être beaucoup plus tendue, surtout qu'avec Skell on s'est lancé des petits challenges, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Allez, level max, oui, ça y est, on l'a fait les amis, on est level 110. Ah ben ça fait plaisir. Level 110, je peux pas prendre plus de level pour l'instant. Normalement, si je dis pas de bêtises. Ah si. Ah si si. Bah c'est quoi mon level? Attends. On va aller regarder ça dans mon implant, tiens. Qu'est-ce que ça dit? Level max du survivant plus 5. Mais qu'est-ce que cela? Parce que du coup, je suis 110 plus 5. Ah non, j'ai mon chibi. J'ai mon chibi avec moi. Par contre, si j'enlève mon chibi, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Si j'enlève mon chibi, genre je le stocke dans la petite araignée là. Hop. Je peux encore prendre? C'est très bizarre, tiens. Je sais pas comment ça fonctionne le chibi. Est-ce que c'est dès le moment où j'en ai eu un, je gagne 2 levels en plus? Honnêtement, je sais pas. Niveau 2. Ah, bonne question. Eh ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire pexer le chibi niveau max. Et comme ça, on va pouvoir... regardez si c'est effectivement 113 le niveau max, sachant que j'ai encore pas mal de gigas à tuer. Mais ouais, c'est une bonne question. Tiens, je me pose certaines questions. Et d'ailleurs, également, Megalania, on a fait pas mal de timing avec Skell. Elle en a 2, j'en ai 2. Du coup, on va essayer de regrouper les stats. Là, pour l'instant, je suis en train de reproduire mes 2 miens. J'en ai 2 ici. Alors, attendez, on va les faire reproduire dehors, parce que à l'intérieur, c'est un peu étroit. On va mettre ça ici. On va mettre également la femelle avec lui, donc là c'était une repro, hein, le 222 je crois. Bah il y en a un qui est né là, tiens. Alors lui, il mourra. Peut-être dans d'autres souffrances, je sais pas, mais en tout cas il me sert à rien. On va prendre la femelle et on va directement lancer une repro. Tiens, il y a un œuf ici, magnifique. Et puis je pense que ça va le faire tout ça. Allez, encore plus de gigano les amis. Et bah écoutez, bah, pour l'instant c'est pas fou, hein. C'est toujours pas du 226, donc rien d'intéressant. On va les éloigner, j'ai encore d'autres œufs à mettre à éclore. Je pense qu'on va faire pas mal de breeding ces temps-ci. Après on essaiera de sortir des mutations évidemment et on essaiera de tamer d'autres giganos parce que pour l'instant ils sont vraiment pas ouf ce qu'on a. Je pense que même, honnêtement, on va attendre pour les mutations hein, sur les gigas tant qu'on n'ait pas des stats intéressantes. En tout cas en termes de dégâts de mêlée, je pense que c'est le plus intéressant sur le giga. On n'a vraiment pas ça pour le moment, mais ça viendra peut-être. C'est-à-dire on a encore 2 œufs à faire éclore ici. On va les mettre... 15 secondes, 26 secondes, et ben ça va pas tarder. En attendant, on va les cogner ceux-là. C'est vrai que j'aimerais savoir le level max de mon survivant, c'est une très très bonne question. Sachant que j'ai mon chibi qui me permet de gagner 2 levels en plus. Ah, honnêtement, je sais pas. C'est le grand mystère. Allez, vous mourrez. Et on pec super vite avec les gigas, c'est incroyable. A savoir que j'ai déjà fait beaucoup de repos de gigas, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je suis déjà... Oh, j'ai du gimon. C'est déjà pour ça que je suis à 110, hein. J'ai fait pas mal de repro, mais j'ai encore vraiment eu aucun giga intéressant. Mais je pense que ça devrait pas tarder. Concernant les autres repros, j'ai décidé de refaire quelques mutations sur les rex en partant de zéro. Donc j'ai repris mes rex souches
Bon, en sortir des nouveaux, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Taper Jara, j'ai eu ma première mutation... Je crois que c'est Stam. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la Stam, mais je crois que c'est ça que j'ai eu. Donc là, j'essaie de tomber une deuxième mutation. Les Spinaux, bah, je m'en servais pour XP, mais je pense que je vais arrêter la repro pour l'instant. Parce que de toute façon, mes Spinaux, ils sont pas ouf. Et puis, je crois que c'est tout hein, ce qu'on reproduit. Ouais, les Ankylos encore. Je suis aussi en train de travailler les Ankylos et les Megalania, comme je vous l'ai dit. Mais bon, voilà, c'est des petites repro de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps. Ça fait toujours plaisir. Bon, il y a une petite éclosion de Tapejara massive ici. Malheureusement, encore une fois, rien qui m'intéresse. Et j'ai l'impression de passer pour le pire meurtrier du siècle, quoi. A toujours tué les petits, mais honnêtement, il n'y a vraiment rien qui m'intéresse là. Donc, on va partir sur une petite poêlée de Tapejara à la broche. Hop, allez, on les embroche un par un. Voilà. Ok, et bon, ça fera de la bouffe pour les suivants. Je vais également mettre du coup les Megalania avec l'or. J'ai 3 œufs, ça va assez vite, c'est une petite minute aussi comme les Tapejara. Et ensuite, on passera sur les œufs de Rex. Les Spinaux, on les gardera pour plus tard. Comme je vous ai dit, je vais arrêter un petit peu les repos de Spinaux de toute manière. Donc, c'est pas trop mal. Allez, une petite minute à attendre et on sera bien. Bon, bah vous vous en doutez, hein, du côté des Megalania, rien non plus d'intéressant. Et bien, ça part sur un meurtre hein, de trois petits bébés innocents et... Et tu meurs, toi ? Voilà, magnifique. Ah oui, par contre, ça c'est cool parce que du coup, ça nous fait une petite ferme à biotoxine. Enfin, biotoxine, non, à toxine de Megalania. Donc, ça c'est cool. Et pour le coup, on va mettre encore les œufs de Rex à éclore. Et là, ça va être Fiesta Bamboula. Ça en fait un petit paquet. J'espère avoir une mutation là-dessus, ça serait super cool. Si c'est une mutation vie ou dégâts de mêlée, je le garderai. Ah, et d'ailleurs, les amis, on manque vraiment pas d'éléments. Hein. Pour le coup, on en a une, presque 200, donc ça, c'est super cool. Je vais en profiter pour réparer ma lance. Faudrait que je répare mes armures, mes armes, mes outils. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de choses à réparer. Et aujourd'hui, dans cet épisode, comme je vous le promets depuis pas mal de temps, on va s'attaquer à la selle tech de Tapejara. Donc, on verra ça aujourd'hui. Et on verra sûrement aussi pour faire un fusil tech. Je pense que ça peut être utile. Donc on va essayer de faire ces deux choses aujourd'hui. J'irai farmer un petit peu de métal tout à l'heure, c'est vraiment la seule chose qui me manque. Avec le polymère, mais le polymère c'est tellement vite fait sur des pingouins, donc il n'y a pas trop de soucis. Du coup, les réseaux de Rex... Ah, encore une bonne minute, donc on va être patient. Ah, 6 secondes pour celui-là, bah tiens. Bah tiens, la première naissance qui va pas tarder. On est prêt, on est chaud. Et POC 259, tu n'as pas de mutation. Tu es éliminé du concours. Au revoir, la porte de sortie. Et c'est par là-bas. Ça y est les amis, les œufs ont dû éclore, alors il doit avoir une flopée de Rex, oh oui, oh magnifique, alors attendez, à première vue on n'a pas de mutation, what the fuck, aucune mutation sur aucun des Rex, mais c'est incroyable, ça veut pas sortir ces mutas, c'est un truc de fou, allez bah du coup on va tous les claim, et puis on va tous les tuer, hein. Je suis vraiment désolé, mais moi j'aimerais bien avoir des mutations, c'est un peu l'objectif quand même de ces repros. Sans quoi, ça me servira à rien. Eh bien, écoutez, on va liquider tout ça. Et puis, on va continuer à faire des œufs. Et là, maintenant, je vais juste aller vite farmer un petit peu de métal. D'ailleurs, il y a un Megalania aussi. Oh, 231. Alors, lui, on va le garder. Je suis sûr qu'il a toutes les stats. S'il n'a pas de mutation, ouais, clairement. Eh bien, on a le premier Megalania parfait entre les deux premiers repros. Du coup, il y aura encore une petite repro à faire derrière. Mais ça, c'est super cool. On va tuer des Rex, on va lui donner de la viande. Ça, c'est cool. Bah voilà. Pour une fois, on va garder un petit Kenny, ça fait plaisir. Bon, les amis, ça y est, je reviens d'une petite session farm métal avec l'Ankylo. Et je vous avais dit qu'on allait entraîner un petit peu le Chibi. Ben, ça tombe bien, il y a un alpha juste là. On va aller lui casser la gueule directo sur Raptor, là. Allez, en plus de... Oh, en plus de... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais c'était pas prévu qu'il y ait un truc qui débarque par derrière. Oh, ouais, c'est pas grave. Allez, lui, il est mort, le Raptor, il va mourir. Tout le monde, il va mourir. Ben, c'est très bien. L'Ankylo va bien, oui l'Ankylo va bien, il est juste là-bas, donc tout va très bien. Allez le Raptor, t'es level combien? J'espère qu'il est haut level, parce que plus il est haut level, plus le Chibi pex. Mais je vois pas, ouais non, vu à la vitesse à laquelle il a pris tarif là. Non, viens, reviens. Non mais sans déconner. Mais hop, oui, non, oui. Oh bah eh, c'est cool là, deux arbalètes épiques, une hache épique, plein de trucs à broyer. Ouais oh, c'est chouette ça. Bon bah c'est bien. Est-ce que le chibi il a pris? Le chibi... Mais ça monte plus du tout. 34 000 sur 135 000. Mais je crois que le chibi je dois le tuer à main nue, l'alpha. Enfin en tout cas ça me monte beaucoup plus vite j'ai l'impression. Donc on essaiera un prochain à main nue.
Les amis, je viens de choper un beacon jaune absolument incroyable. Un beacon jaune avec une selle mythique de mégalosaure à l'intérieur et une selle légendaire de mammouth. C'est un truc de fou. Un truc abusé. En plus de ça, les amis, je tenais à vous dire qu'on a changé l'event du serveur. On a mis l'event archéologie. C'est un event, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait les petits tas de terre et dedans il y a soit des os, soit des loots. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu de tas de terre. Hein, ça, je tiens à vous dire que voilà, il n'y a pas eu trop de tas de terre. Il y a les couleurs des dinos aussi qui changent. Des couleurs un peu plus naturelles, un peu plus militaires, avec du brun, du vert, du gris, du noir. Enfin voilà, des couleurs vraiment très naturelles pour le coup. Et puis également donc ces petits tas de terre avec des os avec lesquels on peut les transformer en skin de squelette dino. Donc on va essayer d'en faire quelques-uns si on arrive, mais pour l'instant zéro tas de terre, hein, donc on verra si on les voit pop, et puis si ce level ne marche pas, et ben ma foi ça sera tant pis. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard avec deux giganos qui grandissent cette fois-ci. Et à eux deux, ils ont les stats parfaites des gigas. Donc ça, c'est super cool. Alors lui, j'ai failli le tuer. Je me suis trompé. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Et il va falloir vraiment que je lui donne de la bouffe d'ailleurs parce que il est pas bien. Hein. On voit, il est pas bien du tout. Le tapéchara, il a peut-être un petit peu de bouffe. Oh oui, magnifique. Et du coup, je suis allé donc farmer le polymère organique que j'ai mis dans le réplicateur. Waouh, la hitbox, incroyable. Donc là, on est vraiment bien. Lui, je vais lui mettre une petite viande en plus. Là, on est parfait. Donc, les gigas, on est quasi bon. J'ai mis également, du coup, à l'intérieur du réplicateur, le polymère organique. Et du coup, qu'est-ce qu'il manquerait pour faire... Il manque encore du métal. Ah, mais c'est 2500, le métal! Ah, ben, on va aller farmer du métal encore, parce que là, clairement, j'en ai pas assez. Et dans ma tête, j'étais loin du compte, mais alors très, très loin. Qu'est-ce que c'était, ce bruit? Il y a eu un bruit comme s'il y a un... Est-ce que... Tout va bien? Non, tout va pas bien, il manque un giga là. Je pense qu'un giga est tombé de la montagne là pour le coup. On va aller voir ça, on va aller voir ce qui se passe, parce que là c'est pas normal tout ça. Et hop, allez, toi tu viens ici. Puis on va prendre le tapéchara. Je crois qu'il y a un giga, il a dû... Ah mais il s'est bien cassé la gueule là pour le coup. On va aller le récupérer. Et puis du coup je vais encore aller farmer un petit peu de métal parce que je me suis un peu planté sur les comptes. Ok, les amis, on se retrouve au beau milieu de la nuit pour faire la fameuse selle de Tapéchara. Techniquement, on a assez de métal cette fois-ci. On va tout mettre à l'intérieur. Oui, il m'en manque environ 400. Eh ben, c'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Allez, hop! Non, dans l'autre sens. Hop, comme ça, magnifique. Allez, un petit peu de métal en plus. Et il m'emmerde, en fait, c'est lui qui gêne le passage. Voilà, là, on est bien. Les gigas, oh attendez, il y a un giga qui va pas bien du tout, il a besoin de viande, clairement. Hop, on va lui donner un peu de viande, on va lui donner ma viande directement, et puis je vais aller farmer un petit peu plus de viande pour lui. Quoique, j'en ai peut-être dans l'argentavis, tiens. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai, oh cool. On va lui mettre ça directement pour éviter qu'il meure de faim, et puis on va prendre le dernier stack de métal, et là on est au top du top les amis, allez, merci. Compliqué à passer là pour le coup. Et puis là on sera bien. Là on va faire cette selle de Tapéchara et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'en profite qu'il fasse nuit pour pouvoir voir justement avec les lumières et tout ce que ça donne sur le Tapéchara. C'est clair que c'est toujours plus joli comme ça. On fera de la peinture aussi sur la selle par la suite. Allez c'est parti, toutes mes ressources qui partent en un clin d'œil. Voilà, on va prendre les 43 éléments qu'il y a là. On va prendre la selle, on va éteindre ça. Et on va prendre le Tapéchara qui est dans la Pokéball. Hop, voilà, magnifique. On change la selle. On lui met les éléments. Oh, il est beau! Il est magnifique avec ses petites ailes bleues et tout. Alors, on va directement tester ça. Oh, c'est stylé, mais c'est trop stylé. Sans déconner. Tiens, on va aller attaquer le tricycle qui est là-bas, c'est parfait. Ça me semble être une très bonne cible. Comment ça, t'as pas touché? Oh oui! Ah ouais! Allez, une dernière pour la... Oh là 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 là. Là, c'est le futur, hein, les amis. Là, c'est le futur. Par contre, oui. Monsieur, il faut prendre les... il faut prendre les coups quand même. Hein. Ah, c'est super cool. Vraiment très content. Ah, par contre, on va désactiver le mode quand on ramasse sur les corps. Ah, c'est chouette. Ça lui fait vraiment une superbe armure. Malheureusement, que 45 d'armure, hein, mais... C'est toujours bon à prendre. On va lui monter un petit peu la stam encore. Et on sera bien. Oh, le moustique, eh! Attendez, est-ce que j'arrive à viser un moustique avec ça? Yo!
Ah, c'est dur. Oui. Magnifique. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir. On a enfin cette selle. J'aimerais bien avoir un Tapejara bien mutant pour que ça aille avec la selle. Mais là, c'est déjà pas trop mal. Juste les pattes vertes, je suis pas fan. Si on peut changer ça, ça serait super cool. Bon, les amis, on se retrouve après pas mal de farms. Je viens d'aller sous l'eau avec mon Sarco. On a été chercher de la perle noire pendant que le métal cuisait. Ce qui fait qu'on a pas mal de ressources à mettre dans le réplicateur. Et normalement, on pourra se crafter le tech gun. Et en allant sous l'eau, j'ai croisé un tusso, je crois level 35 alpha. Et je me suis demandé si avec le tech gun, j'arriverais pas à le tomber. On va essayer. On va essayer d'aller sous l'eau avec. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux en crafter un? Oui. Oh, je peux en crafter deux. Et il manquera après de la perle noire pour en faire un troisième. Mais écoutez, on va déjà prendre un petit tech gun comme celui-ci. Ça jette un. J'ai quelques éléments là-dessus. Je vais directement aller là où je l'ai vu. Et puis on va voir si on arrive à tomber ce tusso alpha juste avec un tech gun. Ça serait énorme. Oh, j'ai trop hâte de voir si on arrive. Sachant qu'on peut être sur le sarco avec le tech gun en main. Ça peut être très sympa. Bon, les amis, on se retrouve près de notre tusso alpha. Alors, en chemin, j'ai croisé un mosasaur femelle 140. Il me semble que j'ai tamé un mâle la dernière fois. Du coup, c'est super cool, on va pouvoir faire du breeding. Et là, pour le coup, on va se tenter le tusso. Alors, j'ai fait quelques tests, c'est hyper relou à le viser. Il fait que de bouger. Je sais pas pourquoi il vient pas nous attaquer, par contre. Je pense qu'il va pas tarder. Est-ce que... Ok, là, c'est pas mal, il s'est coincé. On en profite à mort. Allez, surcharge, mince. C'est pas le moment. Ah, oh, il s'est coincé. Ah, c'est excellent. Allez, on lui met quelques balles. On laisse descendre la petite jauge. Oh, la chance qu'on a. Incroyable. Allez, on fait monter jusque dans le rouge. Ok, ici, c'est très bien. Ah, il bouge. On va monter un petit peu avec le sarco. On se met à hauteur. Ok, c'est pas mal. On se rapproche. J'ai pas l'impression qu'il a l'aggro sur nous. C'est très bizarre. Pourquoi il nous attaque pas? En fait, je crois qu'il a voulu m'attaquer avant, et là, il serait en fuite parce qu'il a pas réussi à me choper. J'en sais rien, mais peu importe, on y va, on le défonce. Ok, là, il est en fuite, clairement, il va plus nous attaquer, par contre, il va faire son nuage noir tout le long. Par contre, s'il fuit toujours au même endroit, c'est super cool, parce que, bah, en fait, il bougera pas. Incroyable, ça. Ah, là, il a bougé. Là, il a bougé un petit peu. Ok, j'arrive à lui mettre quelques balles. Il reste coincé dans le mur, il a vraiment envie de bouffer le mur, quoi. C'est un truc de barge. Allez! On y est presque. Là, il est quasi... Oui! Oh! Alors, est-ce que mon chibi... Oh, mon chibi, il a bien pris là, pour le coup. Et maintenant, la question, c'est... Est-ce que j'ai looté une canne à pêche? Alors, ça, c'est la grande question. Attention! Ah, oh, elle est pas ouf, la canne à pêche. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Mais bon, c'est pas mal. Honnêtement, c'est super cool. On a eu les tentacules, en plus. Ouais, on a eu les tentacules, c'est trop bien. Surtout qu'ils nous serviront pour invoquer le dragon, je crois, si je dis pas de bêtises. Le dragon, ou non, même la tech cave, il me semble. Bref, peu importe, on a ce qu'il faut. C'est super cool. Ah, je suis très content. Du coup, on va rentrer à la maison. Et le Moza, par contre, je pense qu'on le tamera soit en live, soit je le ferai hors cam, je sais pas encore. Ou soit vous aurez peut-être un time lapse dessus. Aucune idée. En tout cas, là, on va rentrer tranquillou au bercail. Du coup les amis, on va s'arrêter ici pour ce 26e épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis, avec mon chibi, à bientôt. Ciao. Bye bye.